Alors je disais que dans ces conditions, comment expliquer que les jeunes parlent quand même à l'ethnologue, et souvent avec beaucoup d'élan, alors qu'ils devraient se taire en principe? Il me semblait que nos explications habituelles, par exemple par la qualité de nos relations personnelles, je ne sais pas, chez les Dogons, par la magie de l'observation participante, dont on a beaucoup parlé, ou alors par l'effet de notre fidélité envers nos hôtes que nous connaissons bien, moi et Nombélé, etc., que c'était insuffisant. J'essayais d'aller plus loin. Et si la relation ethnographique était un des canaux par lesquels le secret colonial cherche à parvenir involontairement à ses destinataires? Voilà la question que je me pose dans cet article. Bien sûr, on peut dire... rapidement, tout le monde réagirait comme ça, que cette ethnographie classique n'existe plus, que les subaltern studies ont depuis longtemps réglé ces questions, et ou que ces questions peuvent être traitées sans un tour d'horizon du côté de l'anthropologie postmoderne. Et Gertz, par exemple, ou d'autres, enfin bon, et à première vue, cette question aurait été déjà réglée par nos continuateurs. Mais mon article est beaucoup plus modeste. C'est en me référant aux propriétés évoquées du secret que je cherche à cerner son rôle dans la pratique passée et présente d'un métier qui, pour citer encore Lévi-Strauss, consiste dans l'observation et l'analyse de groupes humains dans leurs particularités, et qui vise, comme écrit toujours Lévi-Strauss, à restituer aussi fidèlement que possible la vie de chacune de ces sociétés. Et dans mon article, je soutenais que la tendance à se réfugier dans le secret a été et est une forme de résistance générale des sociétés humaines dominées à leur suggestion. S'il en est ainsi, alors ce mode de métacommunication paradoxale que nous nommons secret est une donnée immédiate de la communication dite ethnographique. Et ces effets ne sont pas nécessairement ceux que le sens commun peut deviner. Pas seulement de coupure, je veux dire. M'appuyant sur la conception énergétique que je viens de résumer et les trois modes sur lesquels le secret se décharge de sa tension, à savoir la révélation, la communication et la sécrétion, je cherche à montrer que le secret est tout autant une condition propulsive qu'un obstacle des échanges de paroles entre l'ethnologue et ses informateurs. Je suggère que sa présence explique entre autres l'étrange enthousiasme avec lequel certaines africaines, par exemple, nous parlent des choses cachées de leur culture. Dans le même article, à examiner quelques œuvres classiques, la dynamique singulière du secret m'a semblé même être à l'origine de certains genres ethnographiques. Par exemple, les récits exotiques des soi-disant révélations Dogons. Les si bien nommés blocs d'informations qu'Evans Pritchard obtient en confident des Andés, comme il dit, je cite ces termes. Ou encore son ethnographie dite par parcelles ou par bribes, qui recueille auprès des nuères hostiles, qui, comme il dit, comme il écrit, pullule pourtant autour de sa tente à l'image des bribes et des morceaux produits par la sécrétion. Je cite les nuères.
Toute cette analyse débouche sur un ensemble de réflexions méthodologiques quant aux effets spéciaux du secret sur la communication ethnographique. Nul doute que l'ethnographe est dans tous les cas, l'ethnographie est dans tous les cas une forme d'intrusion systématique dans les affaires internes et intimes des autres. C'est pourquoi je cherche à distinguer trois types de matériaux régis par les trois situations interactives tout à fait différentes que la dynamique du secret impose à l'ethnologue. Qui d'entre nous, ethnologue, ethnographe de terrain, n'a eu affaire côte à côte à des sortes de révélations de ces informateurs, à la Dogon, à des blocs de données communiqués à la Zondé, et encore, et c'est peut-être ça qui est le plus fréquent, à des bribes et des morceaux sécrétés d'énuaires. Nous connaissons tout ce type de matériaux. Alors, dans cet article, je cherche à contribuer à la méthodologie de description ethnographique qui devrait, à mon sens, tenir compte de ce facteur-là. Alors, pour finir, j'ai envie de vous raconter dans quelles circonstances j'ai pu compléter cette réflexion dans un autre texte paru dans Gradiva sous le titre Savoir-taire, du secret et de l'intrusion ethnologique dans la vie des autres. C'est le titre. Et j'ai compris depuis longtemps déjà qu'un des outils et signes majeurs de l'intrusion ethnographique en question est la caméra vidéo. Je ne pouvais pas m'en passer, mais j'ai décidé de l'utiliser de moins en moins chez les xénophobes. Et je dirais qu'à la manière du chien de brousse qui dort, quand il passe, quand l'événement a lieu, quand il se passe quelque chose d'important, ce chien de brousse ouvre les yeux, il se lève, il suit les gens en question. C'est ce qui m'est arrivé en 92, je crois. Un de mes cadets initiatiques et jeune parent fictif qui habite dans notre village et appartient à notre bois sacré a fait sous mes yeux une spectaculaire crise de convulsion pendant la cérémonie de sortie des novices d'un bois sacré voisin. Tout ça s'est passé dans notre Xinjiang. Je me suis levé, pris ma mobilette et j'ai suivi caméra à la main tous les épisodes de cette affaire dramatique, depuis les premiers soins que nous avons administrés dans la forêt, jusqu'au sacrifice de contre-attaque magique effectué par un magicien pour tuer, disait-il, l'ennemi qui a lancé un projectile invisible de sa corne magique dans la cage thoracique de mon ami Oumar. C'était la théorie. J'ai pu comme ça filmer, transcrire et traduire aussi bien les paroles de ce rite magique que celles du vieux devin qui a identifié ensuite l'ennemi et qui a prescrit le sacrifice. Cela dit, il m'a fallu un an à peu près pour comprendre les dessous sociaux de cette agression magique aux implications multiples. C'est ma familiarité avec la vie de l'agressé et avec l'histoire de sa matrilignée, qui n'est autre que la famille de mes propres tuteurs, qui m'a aidé à comprendre ces dessous. Les matériaux recueillis sur 2 ans s'étaient progressivement constitués, organisés en une sorte d'extended case study à la Turner. Le propre de ce genre ethnographique, si précieux pour saisir les aspects cachés du fonctionnement d'une société,
et qu'il est par nature multidimensionnel. Et je fais allusion aux monographies de Turner sur les Dembou. Hein. Et alors, multidimensionnel, le cas d'Oumar soulève aussi bien le problème de l'induction matérielle des croyances, abordé jadis par Lévi-Strauss, le problème du traitement de la maladie, qui m'était familier à cause de mes travaux au Sénégal déjà, et aussi la question à peine défrichée du mode de fonctionnement réel des groupes matrilinéaires, ou encore la question de l'efficacité de rituels magiques à distinguer de la mythologie bien connue de l'efficacité dite symbolique de Lévi-Strauss. Dans cet article, j'ai choisi de privilégier le thème du secret. Pour une raison simple, le secret que nous avons cherché à décrypter au fil des rites que j'ai filmés, puis étudié de très près jusqu'aux modulations ironiques de la voix du devin, me concernait aussi personnellement. Alors comment ? C'est l'histoire d'Oumar qui m'a appris que mes tuteurs sénoufaux me cachaient depuis des années certains faits. L'origine captive et déshonorante de leur matrilignée et les raisons politiques pour lesquelles ils m'ont placé dans le même bois sacré qu'Oumar, leur prétendu neveu qu'ils ont magiquement agressé. En fait, Oumar était le seul descendant maternel de leurs anciens maîtres, les fondateurs de notre village, à qui les ancêtres captifs de mes hôtes se sont carrément substitués en s'appropriant la chefferie du village. C'était quand même un peu gros. Mon regretté tuteur Nambélé a discrètement abusé de ce statut qui postulait qu'il fournit au moins un enfant à chaque initiation dans notre bois sacré. C'est la règle. Il faut qu'un chef de village, surtout, fournisse au moins un enfant par initiation. Du coup, sans rien me dire, il m'a substitué au garçon manquant. Il n'y avait pas de garçon cette année-là, avant. Il m'a mis dedans. D'où mon initiation au poro. Le nom spécial que j'y ai reçu, qui se dit exactement « Kulo Pityam Beledje », littéralement « les enfants d'un autre pays sont entrés », dans le sous-entendu « dans la forêt ». Ce nom est de la même classe que ceux qu'on donne aux descendants des captifs de guerre qui provenaient eux aussi d'un autre pays, c'est-à-dire aux esclaves. Quant à Oumar, qui est aujourd'hui le seul descendant des fondateurs vivant au village, il pouvait récupérer en toute légitimité la chefferie. D'où le fond de l'attaque magique qu'il a terrassé devant moi sur la clairière de la forêt. Cette histoire, je dirais, m'a offert une occasion rêvée pour réfléchir à la fois sur la nature des secrets sociaux des communautés africaines et sur les effets de mon intrusion ethnologique dans la vie de mes hôtes sénoufaux. Ils y répondaient, ces hôtes, non seulement en me cachant certains aspects de leur vie, mais aussi en créant des secrets personnels à mon propos. Donc c'est une activité comme ça. Je relate l'histoire d'Oumar pas à pas dans cet article à la manière d'un thriller. Son rêve prémonitoire durant sa réclusion initiatique, sa crise convulsive spectaculaire qui a exhibé le secret devant tout le pays, n'oublions pas, les petits gestes de notre entourage familial commun qui laissaient échapper déjà les signaux de ce que l'on sait mais ce que l'on ne dit pas, le premier acte du magicien qui revenait à démontrer l'existence même du secret en produisant et en exhibant ses secrets corporels, par exemple le point d'impact du projectile magique sur le buste du mar que j'ai filmé,
où le caillot de sang sorti de son ventre ou poumon qui a été évoqué par le magicien. Il y avait tous ces éléments dans l'histoire. Et ces opérations matérielles d'induction de la croyance à l'agression occulte et de mise en scène du secret à décrypter étaient destinées autant à Umar qu'à son accompagnant et de là au devin que nous avons consulté et filmé ensuite. Alors le devin. Et sous mon mangui à l'écart du village dont j'ai déjà parlé, nous avons décortiqué la longue séance divinatoire dont je parle jusqu'aux moindres modulations de la voix du vieux devin. Cette fois, notre discrétion était vitale car les personnes impliquées dans notre histoire étaient là à quelques pas de mon campement, les gens de mon pays. Et j'ai été d'emblée intrigué par un trait récurrent du texte, par le caractère foncièrement elliptique des paroles du devin, dans ce cas et dans d'autres. Aucun nom propre ni aucun motif précis n'a été nommé. Tous les sujets et motifs d'action étaient génériques. On disait un homme, une femme, un magicien, il ou elle, une dispute, une mauvaise chose à manger, etc. Alors, au point de vue qui nous intéresse ici, il ne s'agit pas de dévoiler le secret, mais dans la divination, mais seulement de le cerner au moyen de portraits robots sociaux. Et c'est au client du devin d'y mettre des noms propres et des contenus, ce qui a bien eu lieu par la suite. Je vais dire tout de suite comment. J'ai également filmé et puis analysé en détail l'impressionnant sacrifice de contre-attaque magique que le même magicien a fait ensuite en versant le sang d'un coq rouge sur son fétiche. C'était manifestement une mise en scène mimétique du secret de l'agression occulte qu'il cherchait à contrer par ce rite. Ces adresses verbales au fétiche affinaient le portrait robot des agresseurs d'Umar et le motif de leur attaque. Il s'est violemment opposé à quelqu'un pour être initié dans le bois sacré de ses oncles. Là non plus, personne et rien n'a été explicitement nommé. On est resté dans l'ellipse jusqu'au bout du processus rituel. Il m'a fallu attendre un an pour qu'Umar m'amène en fuite à ma demande dans la brousse voisine de notre village pour m'apprendre, là encore à voix basse, l'identité supposée de ses agresseurs et son idée quant à leur mobile. Il s'agissait, disait-il, de son oncle adoptif Nyofum et de sa sœur Tienina qui appartiennent à la lignée d'esclaves qui ont abusivement pris la place vide de la famille fondatrice du village. Famille dont lui, Umar, est le dernier survivant, était le dernier survivant dans le village. Alors j'ai été un peu abasourdi. Abasourdi, c'est parce que Nelo, Nyofum, le principal agresseur, était mon propre tuteur, qui m'a hérité de Nombele, et sa sœur Tienina, ma cuisinière de tous les jours. Passe encore que selon le devin, la victime innommée de l'attaque a bu quelque chose, comme il a dit, c'est-à-dire a été empoisonné par une femme. C'était les paroles du devin. Cette révélation, c'est le cas de le dire, m'a plongé aussi dans une grande perplexité quant à ma place, pourrait-on dire, de confident ethnologue d'une famille qui m'a caché pendant plus de 20 ans le secret de son origine. C'est là que j'ai fini par comprendre la vraie raison de mon initiation au Poro et la cause cachée de la crise convulsive d'Umar, qui m'a raconté ensuite qu'il s'est fait initier dans notre bois sacré, en dépit de la violente opposition de son oncle agresseur, qui ne voulait pas d'enfant
des fondateurs dans notre forêt. C'était sa raison pour s'opposer à l'initiation d'Umar. Et de tout ça, je tire dans ce texte deux séries de conclusions. Les unes concernent la nature du secret social dans les sociétés sans État de l'Ouest africain. Comme les ellipses rituelles du devin l'attestent, le secret social est caractérisé dans ces sociétés par l'interdit, non pas tant sur le savoir, mais l'interdit sur le dire, dont j'ai parlé au début. On peut dire que le su doit être tu, et c'est sa rétention qui est la cause de la sécrétion. Quiconque a vécu, je crois, dans des milieux traditionnels, peut confirmer que cette conception du secret social est très répandue, sinon universelle. Une des raisons en est que ce type de secret remplit une fonction d'organisation sociale, de division et de association antagoniste, quasiment au même titre que la parenté ou d'autres principes de division sociale. Le savoir-faire est constitutif de l'équilibre de la communauté, on pourrait dire ça plus simplement, et tout le monde comprendra de quoi il s'agit. Or, le savoir-faire de l'ethnologue, disons sa discrétion, est antonymique avec cet autre impératif de sa procession, qui est le savoir-faire de l'intrusion. Je me répète, le savoir-faire de l'ethnologue, sa discrétion, est antinomique avec cet autre impératif de sa profession qui a le savoir-faire de l'intrusion. Et ces hôtes se protègent bien souvent de son intrusion de la même manière que le vieux devin, en utilisant non pas des noms propres comme Umar, Niofun ou Nelo, mais des termes génériques ou catégoriels comme oncle maternel, le père, le neveu, le néophyte ou les morts, que nous sommes invités à prendre pour des catégories indigènes ou des représentations collectives. En somme, à la fin de cette étude de cas, j'ai essayé de m'aventurer aussi dans la lecture ethnographique de quelques fondamentaux de l'anthropologie, comme ces catégories que nous lisons dans toutes les monographies.